Bonsoir à tous, a priori ça marche, bienvenue sur ZeroNet TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zéro à la Webdo, le dernier de la saison, Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous et oui, on va bientôt partir en vacances, oui, vrai. mais on voulait quand même vous faire la bise juste avant de préparer et de mettre nos maillots. Ce soir, on parle de haut débit, du haut débit pour tous en France en 2020, c'est la promesse du président de la République Emmanuel Macron. Faut-il y croire 019.com netcom a enquêté et Amélie Charnay va nous expliquer ce qui se cache exactement derrière cette annonce. Une puce implantée dans le cerveau, Jérôme, qui mmh. pourrait rendre la vue, par exemple, aux aveugles. Vous n'y croyez pas pourtant. Ce n'est pas la science-fiction, c'est un projet bien réel, mis au point par des chercheurs américains. On va avoir les explications tout à l'heure. De Delphine Sabatier. Voilà, c'est pas dans le cerveau de notre président, non. Hein, ça n'a rien à voir. Même si on non, peut non. imaginer que parfois il, il réagit très très vite. C'est vrai. Côté labo, comme chaque semaine, que se passe-t-il sur les étagères de Zéro à Net Qu'avons-nous reçu Eh bien, ce soir, vous allez découvrir un casque audio qui se transforme ah, oui. en lunettes vidéo. Vous allez voir, c'est un truc de fou, vraiment. Pour regarder vos films pour les vacances, voilà, vous l'apercevez. On en saura plus tout à l'heure. Vous découvrirez également une sélection de smartphones étanches. Bah oui, cette saison une sélection concoctée par Jean-Sébastien Zanki qui est notre spécialiste de tout ce qui se mouille. <laughs> Exactement. Et puis euh, alors après il y a euh, tu sais notre euh, on va dire athlète oui. Raphaël Grani. Ah oui, notre athlète qui tout à l'heure va arriver là pour nous faire découvrir une sélection de bracelets connectés pour faire du sport cet été. Peut-être ben, avez-vous décidé de vous y mettre. Eh bien voilà, quel bracelet connecté pour se lancer euh, justement dans le sport, on verra ça tout à l'heure avec Raphaël. Voilà, c'est 01 live, c'est parti. En principe, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous. et Jérôme bien sûr avant de rentrer dans le vif du sujet de parler de très haut débit euh, en France notre question zéro net orange croyez-vous à la promesse du très haut débit en France en 2020 euh, voilà, c'est le sondage du jour. Donc, comme chaque semaine, vous allez sur www.01nettv.com, puis vous nous donnez votre avis, oui ou non. Alors, pour l'instant, euh, on nous dit en Régie qu'ils n'ont pas le visuel, hein, comme, oui. euh, comme dans les avions militaires, ils n'ont pas en visuel ouais. euh, la question. Peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, elle existe. J'ai cognac G <laughs> dans l'oreillette, ça va arriver <laughs> euh, si tout va bien. 01nettv.com, donnez-nous votre avis. Allez, on fera un point sur les votes tout à l'heure. Amélie Charnet est avec nous. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir Amélie de la rédaction de 01net.com pour parler. Et... Bien justement de ce plan très haut débit, alors qui est pas nouveau, hein, Mélis, ça fait des années qu'on parle de ce plan très haut débit qui a pour objectif de donner du très haut débit à tous les Français. C'est ça, normalement pour 2022, on devait avoir du très haut débit, c'est-à-dire euh, un débit supérieur ou égal à 30 mégabits par seconde et à 80 avec de la fibre de bout en bout, ce qu'on appelle le FTTH. Alors mmh. ça, c'était la promesse, mmh. d'accord depuis de nombreuses années. Où est-ce qu'on en est de ce plan très haut débit mobile et pourquoi notre président Emmanuel Macron est remonté, a remonté le sujet et en parle autant actuellement alors, le plan, il, il avance bien. En fait, on a déjà atteint un objectif de plus de 50% avec un an d'avance. Mais on s'est aperçu que finalement, en 2022, il restera pas mal de gens sur le carreau. On sait qu'il y a au moins 6 millions de foyers français qui ne devraient même pas avoir 8 mégabits par seconde de débit. Donc, du coup, le président a tapé le point sur la table, on va dire, et a dit Mais non, moi, je vais avancer est... les choses. <laughs> je vais avancer les choses. Je ne vous promets pas ça pour 2022, mais pour 2020. Oula Sauf qu'il y avait une petite entourloupe derrière. Aïe, il s'agit plus de très haut débit, mais de haut et très haut débit. Et, et le haut quelle débit, est... alors le problème, alors il a fallu quand même euh, donc aller le trio, à Le très haut, c'est 30 mégas, c'est ça, 30 voilà, et le haut débit, c'est en dessous et c'est au-dessus de 512 kilobits. En fait. non, donc c'est quoi C'est entre quoi et quoi Donc quoi alors les explications ouais. complémentaires à la suite des déclarations du président, c'est que il, on va inventer en France le concept du bon haut débit. Le bon donc, haut débit. Ça, ah ouais. c'est une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est le veut dire... haut débit qu'il vous faut. Voilà. <laughs> c'est du bon haut débit. <laughs> Donc ça sera compris entre 3 et 8 mégabits par seconde. Donc l'assurance, c'est qu'en 2020, si tout se passe bien, tous les Français auront accès au moins à 3 mégabits par seconde. Ce qui n'est pas foufou non plus. Hein. Ouais, 3 mégabits, c'est le plancher. Quoi. Voilà. Bon. Parce bon. que c'est vrai qu'il y, y a moins. Hein. On a Léopold sur YouTube qui nous dit je vous reçois avec... Euh, non avec 300 kilos par seconde, je pense qu'il exagère. 3 oui, voilà, images par seconde. Ouais. Et, et il, il arrive à nous voir, nous dit-il. Bah, en tout cas, si vous êtes sur YouTube, dites-nous. Tiens, quel est le débit que vous avez actuellement à la maison, chez vous On fera un petit, un petit point comme ça de temps en temps. Et, et j'ajoute qu'on peut utiliser l'application 01net euh, Speedtest pour le faire oui, sur le sûr. site. Nous avons la possibilité de mesurer le, la connexion fixe. Il y a euh, même une appli mobile qui est faite voilà, pour ça, pour hein, à la fois sur iOS ou Android que vous pouvez télécharger euh, et qui va vous donner le débit, votre débit en temps réel. Mmh. Alors revenons au sujet les amis. Donc euh, 3 mégabits minimum pour tout le monde d'ici à 2020. Non. 20 ou 22 20. 2020 2020 bon et alors est-ce que ça va arriver qu'ils vont arriver à le faire bah, moi je pense que c'est possible parce que en fait au lieu de se focaliser sur la fibre euh, le gouvernement parle maintenant d'avoir recours à d'autres solutions technologiques donc dans les zones rurales on parle à nouveau du satellite mm -hmm. sachant que c'est complètement saturé pour le moment en france donc il faudrait lancer un nouveau satellite je, je pense très sérieusement que le gouvernement étudie la question euh, et on va aussi amener la 4g fixe c'est à dire euh, en dédier une bande de fréquence 4g uniquement au fixe dans les zones rurales D'accord, donc avec une antenne pour recevoir la 4G, la redistribuer en Wi-Fi. Une antenne par habitation ou oui, par il pâté il faut, de maison Il faut tout à fait avoir une antenne par habitation, par habitation. en plus de l'antenne qui est installée dans les environs. Donc c'est un petit peu différent de ce qui est déjà disponible sur le marché, les box 4G lancées par Bouygues et par... Orange, euh, et, Orange et, par et par SFR. En fait, ces box lancées par les grands opérateurs, elles, elles utilisent le réseau mobile. Là, ce sera vraiment de la 4G, donc des antennes mobiles, mais qui seront dédiées uniquement à un usage pour le fixe. D'accord, ouais. ça fait penser un peu au, à ce fameux WiMAX, tu sais, qu'on avait, qu avait... Oui, c'est de nombreuses années qui permettaient d'avoir mmh. de l'Internet fixe, oui. mais par les ondes. En fait. le, le problème et l'échec du WiMAX s'expliquent parce que, en fait, il n'y a pas eu assez de, de, de largeur de spectre et de bandes de fréquence qui ont été allouées euh, au WiMAX, donc les débits ont été très faibles. Oui, Là, vrai. avec cette euh, bonne largeur de spectre, normalement, on devrait atteindre des, des, un bon débit, un bon ouais. haut débit. Après, on a des. des, des... C'est vrai des témoignages de, sur YouTube spirituel qui nous dit, moi je suis juste à côté de la fibre optique mais elle passe pas chez moi donc si c'est oh vrai que c'est rageant. Ça et moi j'ai de qui ont la fibre de l'autre côté de la rue et c'est dingue parce que parfois on change de quartier, on change de commune et même si elle est à quelques mètres, eh bien on ne l'a pas. Oui terrible, oui. Hein. Ben moi je peux donner un exemple euh, en région parisienne. Euh, Versailles est considéré comme une zone moyennement dense, alors que le Chêneray est considéré comme une zone très dense. Donc le Chêneray a été fibré plus vite que Versailles. Ouais. Ce qui peut paraître euh, illogique parce qu'on pourrait se dire ah bah, tiens Versailles va être plus important. Mais c'est les, les opérateurs fibrent en fonction euh, prioritairement de la densité de la population. Alors pour toucher du doigt le, le fait que le très haut débit c'est bien. Ce soir on vous met un petit peu à l'épreuve. Hein. Je crois qu'il y a un petit peu des difficultés de de réception de, du 01 live, mais bon, on va essayer de tenir jusqu'au bout malgré tout. C'est rigolo parce qu'en plus on parle de très haut débit, ce qui est quand ben même oui. un truc de dingue, tu vois. Peut-être que si on avait parlé de, de drones, ça aurait marché. En fait, possible finalement. Possible. Alors, euh, alors initiative, initiative donc qui a été, euh, on va dire, lancée cette semaine par l'opérateur SFR, hein, qui a dit quoi alors, ouais, ça, c'était vraiment un coup de tonnerre. Euh, donc, SFR a dit, eh bien, moi, c'est une espèce de, de façon de surenchérir. Eh bien, moi, en 2025, euh, j'assure que tous les Français auront le très haut débit, cette fois-ci, donc bien plus de 30 secondes. Plus de 30, par seconde, euh, Voilà, partout sur le territoire. Donc, tout le monde... Euh, donc, c'est SFR qui part, qui dit qu'ils voilà. vont faire cavalier seul. Ils vont le faire sans et... argent public, sans subvention. Il va avoir son réseau propre, euh, mmh. sachant que jusqu'à maintenant, c'est plutôt Orange qui a amené la fibre partout en France. Euh, donc, ça nécessite tout des sûr. Investissement considérable, énormément de main-d'œuvre et il parle de déployer entre 2 et 3 millions de, de lignes tous les ans. D'accord. Ah bon. Alors, pareil, est-ce qu'il faut y croire euh, moi, je pense qu'on peut y croire. Alors sur les délais, euh, je suis pas sûr qu'on puisse dire euh, forcément oui, bah, que ça alors, va avoir en plus, lieu. Donc là, on parle plus de 2020, on parlerait de 2025. 2025 hein, Mais ça. les ambitions n'ont rien à voir. Elles sont, 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 sont plus élevées. Donc euh, alors, quand on dit fibrer tout le territoire, ça veut dire en fait fibrer tous les Français. C'est à peu près 33 millions de, de foyers. Et euh, quand SFR parle de, de, mmh. de fibrer, il, c est, c est, en fait, il, il veut dire mettre du très haut débit. Et il n'y a pas que de la fibre. Il y a aussi faire monter en gamme le cuivre et le câble. Donc euh, c'est plus facile que de mettre de la fibre partout en France. Alors visiblement les amis, on a un problème sur le flux YouTube ouais, direct ça de 01 Live. En revanche... Ça c'est les, les départs en vacances. Visiblement hein. ça ne viendrait pas de notre faute puisque euh, vous pouvez nous, rejo nous rejoindre sur Facebook Live où là le live fonctionne. Donc euh, peut-être qu'il y a un problème chez, chez YouTube. Donc si ça rame sur YouTube, rejoignez-nous sur Facebook Live sur la page euh, de 01 oui. Live. Euh, Alors j'espère que vous arrivez à entendre ce qu'on vous dit d'ailleurs, sinon on va l'écrire. <laughs> Parfait. Bon. Euh, donc, alors, SFR et Orange, qu'est-ce qui, qu qui se passe du côté de chez Orange en matière de fibre Bah, Orange, en fait, ils ont maintenu toujours des objectifs très hauts et qui, qui restent les mêmes pour l'instant. C'est le premier opérateur en termes de fibre pure, hein, de FTTH, ouais. jusqu'au domicile de l'abonné. Euh, ça représente encore des chiffres qui sont modestes, hein, parce que en France, on a, euh, j'ai des mises en 2,4 millions d'abonnés seulement à la fibre. Ouais, oui. C'est pas beaucoup, mais Orange euh, en a déjà 1,58 à lui tout seul. Donc, en fait, il il la plupart des, des clients fibres et c'est lui qui a le plus fibré en France. Euh, donc, euh, ils vont continuer sur leur lancée. mais c'est sûr que là, SFR se, se pose en énorme rival d'Orange et même en, en énorme rival de l'État qui euh, subventionne la fibre dans les zones rurales. Et là, mmh. SFR dit Ben non, euh, moi je vais fibrer avant l'État et euh, les communes n'auront rien à faire, pas à débourser un centime et euh, ils vont pouvoir utiliser nos réseaux. Bon, ben voilà, le Far -west de la fibre continue. Oui, en tout le... cas. On, 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 le on match de la fibre. On peut souhaiter que la France voilà, puisse être rapidement, complètement fibrée, ou en tout cas. Oui, de connectée toute façon, c'est des, haut des bonnes nouvelles. C'est voilà. des bonnes nouvelles parce que ça va dynamiser tout bien le monde. Sûr. Là, euh, tout le monde ne parlait que de ça dans le milieu des télécoms cette semaine. C'est sûr qu'il va y avoir une suren, un surenchérissement de la part des autres opérateurs et que ça va faire accélérer les choses. Très bien. Alors, Lucien qui nous dit que le live fonctionne sur Facebook. Donc, visiblement, yes. ça marche. Merci beaucoup, Amélie. Merci Amélie. Euh, tout à l'heure, vous découvrirez notre petite sélection de, 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 de produits issus du labo de 01Net. Oui, mais moi j'ai un casque assez impressionnant à vous faire découvrir, les amis. Mais juste avant, c'est Delphine Sabatier qui va nous parler d'un truc complètement fou euh, qui sera peut-être bientôt une réalité. Peut-être qu'il tu en auras une bientôt dans ton cerveau. Tiens. Comment on va... Non, attends, on va en parler dans un instant. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Salut Delphine, ça directrice ça. de la rédaction de 01net, et on va donc parler maintenant d'une puce dans le cerveau, Jérôme, avec Delphine. Une puce implantée dans le cerveau. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là C'est de la science-fiction ou de la réalité C'est fini tout ça. C'est plus du fantasme du tout les puces dans le cerveau. C'est vraiment un sujet de recherche qui avance extrêmement vite. Tout le monde est sur le pont là-dessus. Alors la dernière trouvaille, c'est FlatScope. Vous imaginez une sorte de microscope à neurones, en fait, un, un processeur vraiment miniaturisé mmh. qui est très très plat et qu'on va implanter à la surface du cerveau et qui va être suffisamment intelligent en fait pour repérer les neurones qui réagissent à la lumière et puis éviter ceux qui sont dé déficients. Et donc comme ça, il va être capable de transférer de l'information visuelle mmh. à notre cerveau. Donc c'est pour retrouver la vue. Quel que soit le chemin qu'il veut emprunter, Incroyable. même s'il y a des obstacles, même si on a un problème de déficience visuelle, eh bien il réussira à nous euh, implanter presque une image dans le cerveau. Alors ça, ce sont des chercheurs américains qui euh, l'ont créé, de l'université de Rice à Houston. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent qu'ils vont être capables de solliciter vraiment énormément de, de neurones. De manière simultanée. Donc, ce qui veut dire un peu, vous en parliez tout à l'heure avec euh, Amélie, qu'on aurait du haut débit finalement. On pourrait du haut se débit connecter à haut débit <laughs> à notre cerveau. C'est bien qu'on en est déjà sur YouTube. Pour enfin, François, ce serait bien du haut débit dans le cerveau. Ouais. Ah oui. Tu as raison, ça pourrait nous <laughs> servir. Sympa, Jérôme. Oui, c'est pas cool. Elle était facile, mais elle oui, était tentante, c'est vrai. vrai. <laughs> mais en France, on a déjà des, des, des projets, non, dans ce domaine Alors c'est vrai qu'il y a euh, dans, dans le même domaine de la vision, c'est aussi beaucoup là-dessus euh, aujourd'hui que ça progresse. Il y a l'institut de la vision qui s'est fait repérer lui pour une, une rétine artificielle. Donc là encore, on utilise quand même un support. Il y a des lunettes avec des petites caméras. Connecter un microprocesseur qu'on va porter sur soi, enfin, porte dans sa poche, et qui lui va transformer l'image qui est reçue par la caméra en signe électrique envoyé hein dans ouais. l'implant euh, sur notre cerveau. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est le vrai défi, c'est de solliciter un maximum de neurones à la fois. Aujourd'hui, on est. Euh, en on plafonne à une dizaine, une mmh. centaine de neurones mmh. stimulés. Là, l'objectif, c'est d'atteindre un million de neurones. Donc, je vous disais du haut débit, mais ça que... serait aussi de la haute définition du oui, coup. Ah oui, la définition dans le eh cerveau. Oui, dans notre ouais. cerveau. En images, en son, on est vraiment en train de parler d'une nouvelle façon de piloter les sens, les cinq sens de l'homme et c'est ça qui intéresse beaucoup notamment le centre de recherche de l'armée américaine, la DARPA mmh. qui investit des millions de dollars là en ce moment et qui a choisi le projet de l'Institut vision euh, parmi les six projets retenus là pour les quatre ans à venir. Donc c'est quand même ça doit aujourd'hui nous poser question parce que piloter nos cinq sens c'est un peu piloter nos actions moi mmh. si je prenais le contrôle de vos sens là qu'est-ce que je pourrais faire avec vous pardon. Oui, enfin nous ils sont réduits au strictement un petit peu euh, le pouvoir que ça donne ouais, ouais ah oui ça J'imagine. <laughs> non, non, je ne imaginer. pas imaginé. ça, ça, ça C'est effrayant quand même. C'est-à-dire ouais. qu'au départ, on se dit chouette, c'est du médical et on va pouvoir réparer <laughs> des handicaps. Mais demain, on est vraiment sur le contrôle de nos émotions. De ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on touche, de ce qu'on goûte. Ce qui est génial, c'est ce qu d'imaginer que la, la cécité, quoi, le fait d'être aveugle. Est... Peut-être plus une fatalité aujourd'hui. Oui, ou pour l'instant bientôt on est, ne le sera plus. On est vraiment, je vous disais, oui, dans de voilà, la basse allo, définition, ouais, ouais, on voit sûr. des formes mmh. en noir et blanc. Mmh. Euh, demain, on nous promet vraiment d'offrir la vue à des gens qui n'en ont jamais. Vu. Mais rien que ça, regardez, rien que ça, ces nouvelles technologies, c'est formidable. Hein, si ça peut permettre à des gens qui ne voient plus ou à même qui ont de, de gros handicaps de pouvoir remarcher, par exemple, il y a aussi pas mal d'innovations dans ce domaine-là. Absolument. Delphine, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Delphine. Et Delphine, je vous souhaite de Sabatier. très bonnes vacances. Et oui, ah Delphine, oui. c'est vrai, bonnes vacances à vous aussi. Merci. Bon, Jérôme. Tout de suite, le de le labo avec, avec les euh... deux les deux beaux gosses du labo. Qui, ouais, qui, les hein, deux, les deux champions. Voilà, puis en plus, comme on n'est pas en, en haut débit, vous allez pouvoir les voir saccader. vous allez voir, ils sont <laughs> super, on dirait les Daft Punk. Raphaël Grappli, Jean-Sébastien Zanqui, dans une seconde, vous restez là. Juste avant, on vous rappelle la question Zéro net orange du jour, la question d'Actu. Croyez-vous à la promesse de très haut débit en France en 2020 Donnez-nous votre avis. Pour ça, vous allez sur www.0net tv.com et vous répondez à notre petit sondage. Et on compte sur vous. On va faire un petit point justement sur ce sondage dans quelques instants. Les gars du labo sont là. Raphaël Grabli. Salut François, Raphaël. Salut Jérôme. Salut Sébastien. Zanke. Bonsoir Salut. à tous. Bon. Donc ils ne sont pas encore partis en vacances, mais ils ont déjà un petit peu la tête dans les... au bord de la mer. Un peu, ah, oui, on peut dire peu, ça. Peu. Eh oui. Alors on commence par qui jean Sébastien Zanqui Et le smartphone étanche ouais, On je commence... commence toujours par les barbus, je te rappelle. <laughs> ah, ça, non, oui, Ils sont vrai. barbus, est... tous les deux. Un peu plus barbus. Un peu plus barbu. Je veux dire là si on commence à mesurer. C'est v deux là quand même. Hein. Alors, de la v Voilà. Personne à relever. Et puis juste après on parlera d'un casque étonnant que je vais vous montrer dans quelques instants. Jean Sébastien. Oui. Les smartphones étanches, Tout bien pratiques pour les vacances. Peut-être êtes-vous justement en train de vous demander, voilà, j'ai peut-être envie de me changer, de prendre un nouveau euh, smartphone étanche. Oui, tiens. Comment choisir Comment choisir ah, ah Déjà, première chose, il faut connaître les normes qui sont en question sur, sur les smartphones étanches. Euh, il y en a deux principales qui sont le IP68 et le IP67. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie La première lettre de, de 68 au 67, c'est la résistance à la poussière. Donc, c'est un 6, donc les deux ont les mêmes résistances, c'est-à-dire qu'ils sont complètement premier étanches chiffre. À, la poussière, mmh. à la poussière, tout oui. à fait. Mmh. Et le, le second chiffre, c'est celui qui va correspondre à l'immersion. Donc, euh, en IP67, le 7 signifie que c'est jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, pas au-delà d'un mètre. Euh, et IP68, le 8 signifie que c'est à plus d'un mètre. Alors sans donner de maximum, ça c'est à la discrétion de, du constructeur. Ah, c'est en général euh, 2 mètres, 3 mètres maximum, donc il ne faut pas non plus faire de la plongée sous-marine avec. Euh, et pendant 30 minutes également. Euh, donc maintenant, il y a beaucoup en fait, de smartphones qui existent qui, euh, qui sont euh, maintenant étanches, on va dire, par défaut. Mm. Euh, dans le haut de gamme, par exemple, euh, le LG G6, le Samsung Galaxy S8 et le Sony Xperia XZ Premium, donc les trois haut de gamme de ces trois marques-là, euh, sont tous les trois IP68. Donc euh, si vous avez un de ces trois-là, euh, aucun souci, vous pouvez... Aller dans la piscine, euh, à la mer, prendre des photos euh, tranquillement ou faire vos selfies dans la piscine, euh, à condition quand même de penser à rincer quand même son smartphone après à l'eau euh, ah oui, de mer. après eau de mer et eau de piscine, eau de en piscine. Fait, parce que et le chlore et le sel, ça peut Ils être ah ouais. euh, un peu violent. Faut pas le garder non plus trop longtemps dans l'eau. Ça, c'est clair que voilà, c'est quelque chose. 30 minutes, c'est vraiment indicatif. Ouais. Si on va au-delà, c'est dangereux. Et puis, il vaut faut, mieux faire moins. Voilà, c'est histoire de. Disons qu'il vaut, euh... vaut mieux. Euh, enfin, vaut mieux imaginer que ces smartphones-là sont faits pour être tombés dans l'eau, immergés dans l'eau par accident. C'est un peu ça l'idée, ouais, voilà, tout à fait. On, Où, on peut pas euh... faire le cake dans la piscine avec, en s'amusant pendant des heures. Voilà, sous faut pas des heures, ça, mais on en peut tout se cas... faire quelques photos, quoi. Oui, alors, On peut alors, se faire ouais. un selfie, un truc comme ça. Enfin, voilà, ça peut être rigolo. Selfie rapide, là. Il ne faut pas faire de la plongée sous-marine avec ouais. ou aller faire, euh, voilà, filmer les tortues euh, directement, ouais. euh, par exemple. Mais quand on dit de prendre des photos, ce n'est pas sous l'eau. On, 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 ah. si, on peut aussi prendre des photos sous l'eau, mais on l'immerge de quelques centimètres. Ouais, centimètres d accord, d accord. Mais il faut faire attention de ne pas dépasser un mètre. Mais plutôt mmh. dans la piscine, quand même. Enfin, la, la mer, le, parce que le sel, c'est quand même hyper agressif, ça oxyde les. Voilà, il faut vraiment penser à les rincer, quoi qu'il arrive. Mais les normes, je ne sais pas si ça concerne. Ça concerne plus le chlore, l'eau douce, entre guillemets, je crois. A priori, oui. La mer, il faut, faut penser que, ça, voilà, faut, que qu il voilà, voilà. faut le rincer tout de suite. Oui, tout de suite. C'est pas on attend deux heures, ça c'est ça. Voilà, pas qu'il soit sec. Il faut le rincer tout de suite, tout à fait. Et, euh, et donc en IP67, il y a deux autres modèles qui sont euh, assez connus l'iPhone 7 aussi et le HTC 11. Donc ouais, vraiment, si vous avez ces deux-là, si vous voulez acheter euh, ces deux-là, c'est pas au-delà d'un mètre. Vraiment, il faut faire attention à ça. Euh, alors, ça, ce sont des, des smartphones qui sont quand même très haut de gamme, qui sont très chers. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre modèle qui est qui sont quand même un peu plus abordable, on va dire euh, alors, alors là, il faut se tourner du côté de Samsung plutôt. Euh, Samsung a sorti euh, deux modèles dans sa gamme A cette année, le Galaxy A3 et le Galaxy A5. Euh, ces deux-là sont accessibles à partir de 329 et 429 euros. On commence même à les trouver un peu moins chers maintenant sur, chez les revendeurs. Donc euh, sans vouloir se ruiner non plus, vous pouvez tout à fait utiliser ces, ces modèles-là. Ce, ces deux modèles-là sont IP68, donc à plus d'un mètre également. Et, et puis enfin, vous avez euh, des modèles qu'on va appeler un peu tout terrain. Euh, ça, ça va se trouver dans des marques comme Caterpillar, comme Cross. C'est des marques qui sont plutôt recommandées pour les gens qui font un peu du trek, des choses comme ça. Mmh. ça c'est aussi résistant au choc. Euh, alors, après, ce problème, que le problème avec ces modèles-là, c'est que ce sont des, des, des smartphones qui ne sont pas forcément euh, ultra qualitatifs en matière de photographie, euh, qui ont parfois des autonomies qui ne sont pas géniales. Donc, euh, voilà, c'est embarqué avec soi en ayant conscience que c'est pas avec ces modèles-là qu'on va faire ses photos de vacances, par mmh. exemple. Donc euh, ça peut être un usage très particulier euh, sur euh, un usage outdoor, on va dire plutôt plutôt autre chose. Et, et puis les grands les grands les grands absents de, de l'étanchéité, on va dire, euh, ce sont quand même deux marques qui sont qui sont quand même assez connues, c'est euh, One Plus parce que le OnePlus 5 n'est pas étanche et Huawei puisque le P10 non plus, donc ce haut de gamme n'est pas étanche. Donc ah il ouais. euh, faut pas aller du tout sur ces marque-là si on veut un modèle un modèle qui restera à l'immersion mais on voit que de, de, de plus en plus de, de constructeurs mis sur l'étanchéité oui, on peut devenu... imaginer que dans quelques années mais ça vient par défaut pas, en fait on plus voilà. sortir des tout à à fait. Qui sur, sont sur le gamme c'est presque du, du par défaut maintenant ouais, ils, sont tous, ils sont tous ça étanches. aura mis du temps hein, quand et même, tout ouais, à fait d'ailleurs les constructeurs communiquent dessus mais gentiment maintenant c'est plus l'argument ouais, ouais. phare de, de comme la 3D, de de 3D sur les Oui, c'est exactement ça mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a encore quelques années les téléphones étanches c'étaient des téléphones qui n'étaient pas forcément très beaux qui étaient en caoutchouc il fallait qu'on bouche les les la prise mini jack la prise USB Etc. Et maintenant, quand on voit par exemple l'iPhone, mais on pourrait citer d'autres téléphones qui n'ont pas fait de. Il n'y a pas de. de, a pas, de... Y a y a pas de concession, concession sur, le, faite sur le design, design fait, malgré tout, que... ils sont étanches. Mais mais ils mais ont ouais. dépensé beaucoup en RD justement ouais. pour, imi... enfin, pour faire en sorte que les composants les à l'intérieur. Oui, c'est ça, les connecteurs en fait sont, ouais. étanches, sont étanches à l'intérieur. Parce ouais, ouais, que finalement, boucher, enfin, mettre des petits caches, c'est débile. Oui, c'est ça. En général, quand ils tombent, c'est accidentellement. Et si on n'a pas bouché les petits caches, ça ne sert à rien. En général, on ouvre le ferme, au bout d'un moment, ça pète. Enfin c'est. Pas l'idée, heureusement Donc, voilà, ça n'existe plus, Mais c'est plutôt bien. Voilà la, la high tech progresse petit à, Tout à petit euh, d'année en année. Quelle belle parole! Mais bah oui, mais c'est vrai, ouais. on a souvent constaté beau, ce problème. phénomène. Manque ouais. ouais. peu, ouais. ouais. peu l'autonomie. Bon, Raphaël lui a testé non pas des euh, smartphones, mais des bracelets pour ouais. faire du sport. Donc, j'ai oui. l'intention de passer un été sportif, c'est ça? Oui, bah, je me suis mis à la course ouais. et euh, j'ai découvert alors, non, je connaissais un petit peu les, les marques, mais. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé deux bracelets moi qui m'ont bien plu, alors qu'ils sont des concurrents en plus directs, euh, qui sont des grandes marques, c'est chez Fitbit et Garmin. Oui, c'est pas et des inconnus. C'est pas vraiment des inconnus, et ces deux bracelets, on va dire, accessibles. Enfin, accessibles. Ils coûtent 150 euros, donc c'est pas non plus des bracelets à 300, 400 euros, etc. Euh, j'ai adoré le Fitbit Alta HR, alors je l'ai d'ailleurs au, au poignet. Euh, c'est vraiment le bracelet si on veut se mettre au sport. Euh, ou à la course, qui est hyper simple euh, mmh. d'utilisation. On peut euh, s'en servir pendant une semaine sans le charger. Donc, il, il compte une... les pas, les battements, les fréquences cardiaques. Alors, cardiaque, ça compte les etc. pas et la fréquence cardiaque en continue surtout. Donc, ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit en fait ce qui est intéressant quand on court, c'est de voir sa fréquence cardiaque au moment où on court. Bien sûr. Mais quand on s'entraîne, le but c'est que la fréquence cardiaque au repos baisse. C'est ça oui. vraiment quand on commence à être plus performant. Mmh. Et grâce à ces bracelets-là, on peut le voir et ça c'est hyper intéressant. Euh, après, moi j'adore l'appli Fitbit aussi qui est très, très agréable. Alors, elle est beaucoup moins complète que celle de Garmin, mais visuellement elle est très bien faite, un peu à la Apple. Donc côté smartphone, côté smartphone, exactement parce qu'en fait, ces bracelets, si, si je te suis bien, euh, sont difficilement dissociables du smartphone. Ah oui, tu, 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 sans le smartphone, mmh. tu fais pas grand on chose. Fait, fait enfin, que tu t'enregistres tout, mais tu consultes pas tes données. Et après, elles ont aussi des interfaces euh, sur le web qui sont aussi très très bien faites et très complètes. D'accord. Et euh, le Fitbit, il a un petit avantage aussi, c'est qu'il peut servir du GPS de ton smartphone. D'accord. Donc, si tu cours, alors faut avoir évidemment le smartphone dans la poche, mmh. mais du coup, sur l'appli, tu vas te retrouver avec ton tracé sur l'application. Le GPS du smartphone, est en général on va dire, est plutôt, plutôt bonne qualité sur la plupart des smartphones. Donc, tu vas avoir à la fois le, les rythmes, le rythme cardiaque et ton tracé euh, GPS. Donc, c'est vraiment une offre assez complète pour 150 euros. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les, les, les bracelets comme ça reviennent un peu au goût du jour parce qu'on a l'impression qu'il y avait eu un engouement y au départ y a et y a puis eu après c'est un, euh, un peu tassé. J'ai envie de dire peut-être sur les mondes connectés mmh. ça se tasse. Il mmh. y a eu un engouement sur les mondes connectés évidemment avec l'Apple Watch. Les autres ils en ont fait, enfin Huawei, LG, etc. Ouais. Moi je suis pas du tout, pas du tout convaincu par les mondes connectés euh, du style. À porter Alors, au on quotidien. On ne va pas rouvrir le dossier. Non, hein, mais par <laughs> contre, parce que là, on s'en sort pas. Non, mais par ouais, contre, surtout avec toi, Géron. Ah bah oui, bon, moi, je, moi, je les gens, suis un mais... convaincu par un monde comique. Il en fait Il en quand même. Mais une utilisation en sport, moi, je trouve que ça a du sens. Surtout, ouais. en fait, et là, c'est surtout chez Garmin qu'on va aller, avec le capteur cardio de chez Garmin qui est quand même très, très fiable. Moi, en général, je cours carrément avec une ceinture cardio aussi, parfois, quand je les teste, en fait, pour comparer. Et puis un coach et des majorettes. On est douze en fait. Oui, tout à fait. Ça s'appelle la caravane Raphaël. Exactement. Non mais voilà pour être sûr que euh, les données soient pas trop euh, déconnantes eh entre guillemets, je cours avec une ceinture cardio qui est plus fiable ouais. et le bracelet et en fait j'ai vu que le Garmin quand même s'approchait beaucoup plus euh, près des données de la ceinture cardio donc le Garmin, c'est Vivo Smart 3, hein, j'ai peut-être pas dit le nom, qui coûte aussi mmh. 150 euros, qui vient de sortir et là sur les données il est hyper fiable, euh, l'appli Garmin elle est euh, hyper complète donc là aussi vraiment c'est une valeur sûre. Il n'a pas le, la compatibilité avec le GPS. alors Par contre, c'est n'est pas un petit coup de gueule, mais enfin, quand même, ces deux fabricants qui sont les leaders mondiaux sur ces domaines-là, mmh. ils ne sont toujours pas capables de nous donner un câble qui ne soit pas propriétaire. Oh. Ça, je trouve ça quand même assez lourd, ouais, parce que ça veut même... dire qu'on part en vacances, on il... oublie son câble, on, on est C'est mort. Est mort. Est mort. Oh. Donc, c'est quand même un peu nul de faire ça. Et alors, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé aussi c'est quand on veut télécharger ces données. C'est-à-dire qu'on, hormis, sauf si on les consulte sur l'appli, si on veut les récupérer du XIL sur Excel, télécharger ouais. ces données, après tout, on les a constituées. Ouais, on a pour les eux. afficher dans sa chambre, Non, tout mais, ça, non, mais euh... parce qu'il y a des gens qui, sont, qui courent, on va dire, plus sérieusement ouais, oui, et qui s'en servent, tout simplement. Alors, euh, chez Garmin, euh, sur ce modèle, elles ne sont pas accessibles, mmh. c'est dommage. Alors, chez Fitbit il faut payer. Faut payer ah. 50 euros ben ouais, pour les mais avoir. Faut, non, modèle, faut bon payer 50 euros pour avoir ses propres données. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais, euh, voilà. Donc c'est euh, le petit bémol, <laughs> on va dire. Bon. Et bon, alors bon, un okay. petit coup de cœur aussi très rapidement. Rapid, très rapide, des écouteurs pour courir aussi. Moi j'ai adoré. C'est des Jabra Sport Pace. Ça coûte 70 euros. Donc c'est quand même vraiment pas très cher. Euh, ils sont hyper confortables. Ils, traînent très, mmh. ils, ils tiennent hyper bien. En gros c'est un peu les concurrents des Beats, euh, mmh. mais qui sont beaucoup plus chers. Franchement, si vous Quel voulez, euh, 70 euros. Alors, ils sont, ils sont sortis mes... à 100 euros. Maintenant, ils sont à 70 euros quasiment partout. Ils sont Bluetooth. Et ils sont Bluetooth, évidemment. On n'est pas encombré. Vraiment, euh, super des écouteurs. Cool, parfait. Très bien. Alors, une fois qu'on a couru pendant euh, deux heures, on rentre chez soi, tranquillou, oui, on voilà. veut se détendre un peu. On veut se détendre, on veut se regarder ou le 01 live, euh, alors qui s'accade pas parce qu'on a vu le, re le replay. Et là, Soit... comme on est geek, on sort le, le, les lunettes oui, de geek ultime. Parce que je voulais te présenter ça. Donc, c'est un casque. Tu vois, tout à fait normal. Un petit ah, Non, non, discret. Ouais. Un petit casque. Non, tu es ridicule, c mais sinon, c'est bien. J'ai envie de regarder un film. Je fais ça, simplement. Attends, on n'a pas vu. Il faut que tu refasses. Alors, on n'a pas refais, vu. c'est pas l'image. Alors, voilà. enfin, attends. Peut-être ouais. pas si JD peut, JD peut, euh... peut nous remettre l'image du Pierre, voilà. du voilà. mannequin, là. Mon, voilà. J'ai mon casque. Oh là là, voilà. j'écoute la musique. C'est génial. Yo, yo. François Sorel sans lunettes. Exactement. Et donc, là, parce que justement, c'est mieux sans lunettes, ce système-là. Et là, donc, si tu veux, je glisse mon casque. Et là, on se dit, mais ce mec est fou. Horizontal. Et là, je vais donc, grâce à deux petits, euh, comment ouais. dirais-je, deux petits faisceaux lumineux qui sont à l'intérieur du casque, qui sont aussi parce que je vais te mettre sur qu'on va le qu voir, voilà, qu'on voit, parce que là, franchement, qui émettent donc des images en 720p. Hein, c'est euh, la technologie dell tu sais, qui est employée dans certains euh, projecteurs oui, en fait. Au cinéma. Projecteur, oui. euh, eh bien, j'ai l'impression d'avoir un écran d'une grande taille. j'ai pas la taille exacte, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir un grand écran de la non pour regarder, euh, <laughs> en fait, ce que vous voulez. Il faut savoir qu'il n'y a pas dedans de lecteur multimédia. Donc, ce n'est qu'un report d'écran, si tu veux. Donc, Donc il faut le brancher il y a sur un du un HDMI, une tablette si tu veux, du micro HDMI, que tu vas brancher sur une tablette, sur un PC ou sur un smartphone. Et là, avec euh, un adaptateur, si tu veux, euh, HDMI Lightning, sur mon iPhone, je peux regarder Netflix, hmm. je peux regarder YouTube, etc. Cool. C'est amusant quand même. Bon alors, on a testé. On est en train de vous préparer une petite vidéo ici sur Zeronet TV. On va mais pas tout vous dire. Mais le prix quand même. Tu l'as tu tu donné ou pas Non, mais je peux vous le donner, c'est dans les 500 euros. Ouais. Voilà, voilà. c'est quand même un peu cher. Euh, mais alors, la, la question, c'est à, à quel moment, on peut, en fait dans quel, pour quels usages on peut se servir de ce, ce produit-là Évidemment dans les avions, c'est top, parce mm -hmm. que là, d'un coup, tu es complètement immergé. Ce qui est intéressant, c'est que ça tu es immédiatement à tenir sa tablette euh, soi-même. Tu es etc. immergé, mais malgré tout, tu vois ce qui est intéressant, et peut-être que Pierre peut nous le montrer, si tu peux revenir sur la, sur la caméra. Là, malgré tout, je peux regarder très facilement ce qui se passe en bas ou en haut. Pas de, je ne suis pas complètement coupé du monde et c'est assez ouais. sympa. Euh, voilà. bon, ça s'appelle le Glyph et c'est une boîte américaine qui fait ça, qui s'appelle Avegan, qui est vraiment très innovante dans, dans, dans ce domaine. On a déjà voilà. vu ce genre, de proto ce genre de produit, mais à l'état de prototype sur des tout salons hein, depuis plusieurs années. Oui. Et donc, ça veut dire que là, ça commence à être commercialisé pour de bon. Exactement. Euh, alors bon, c'est une petite start-up. Hein, vous n'allez pas trouver ça chez Darty ou à la FNAC tout de suite ou chez Boulanger. Ça s'achète mais... en ligne ça s'achète en ligne, exactement, et c'est disponible. C'est le projet a commencé sur Kickstarter. Ils ont amassé des centaines ouais. de milliers de dollars, et voilà, ça sort enfin. Ça s'appelle le Glyph avec un Y. Très bien, merci François pour Mais cette rien. brillante présentation. Je remets mes lunettes Vraiment, ça te va bien en plus. C'est vrai C'est cool, ouais, c'est ouais, cool. super. Voilà, maintenant, il va avoir un dossier parce qu'il m'a pris en photo avec mon casque. <laughs> Pas gentil. Bon, c'est la fin de ce Zéro Live. Attendez. Euh, juste avant. On, on va dire quand même un mot sur notre question Zéro Net Orange. Bien sûr. Voilà. Croyez-vous au très haut débit en France pour 2020, les amis La question Zéro Net Orange du jour. Oui, 33 non, 67 Ouais. Voilà, il y a encore pas mal de sceptiques, hein, visiblement. Hein. Bah, bah, continuez, à nous, euh, continuez à voter. Vous allez sur zéroenatv.com. Vous savez quoi On en reparle en 2020. <laughs> hein on verra bien un peu ce qui se passe dans trois ans. Oui, le prochain 01 Live, ce sera avant 2020. Oui. Ce sera, mais mais ce sera quand même pas avant le mois de septembre. Et ce sera même fin août. ce sera à Berlin, Jérôme, pour l'IFA. Oui, c'est vrai. L'IFA Berlin, le tout dernier jour d'août d'ailleurs, qui sera le, le coup d'envoi de cette nouvelle saison de high tech en Israël. On se retrouvera donc le jeudi soir. Ce sera le dernier jeudi d'août. Je on sera là ému, hein. en direct. Voilà, c'est la fin de cette saison d'hiver qui, qui se termine. Bah, attendez, voilà, on va profiter. C'est les vacances. On va se reposer. On, on reviendra. Euh, en pleine forme, avec plein de nouveautés, plein de nouveaux projets pour Zero net TV. Euh, Attendez-vous à voir, euh, voilà, pas mal de choses nouvelles qui arrivent début septembre. Merci de continuer à nous suivre depuis des années. Merci à Jean-David Duarte, Pierre Thiolin, Thomas euh, Remiret et Noémie Lefebvre-Marek qui nous ont aidés à préparer ce live. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bonnes vacances et à très vite. Salut à tous.